اعزائي عزيزاتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في لقاء جديد اهلا وسهلا بالجميع بعد هذا التوقف حيث كنا قد توقفنا في الدروس عند نهايه الوحده الاولى من الدوره الثانيه والان سنبدا مع دروس سنبث دروس الوحده الثانيه من الدوره الثانيه هذه الدروس من الناحيه الرسميه موجهه الى اقسام السنه الاولى تخصص اقتصاد التجاره بجذعيه التكنولوجي والعلمي حصه اليوم هي تعريب كما سنرى Je me présente tout d'abord chers collègues avec vous votre ami نور الدين حالي enseignant de culture arabe et traduction 4 la culture arabe et la euh, j'enseigne cette matière au lycée Mohamed al El Khattabi à Nador nous sommes dans le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021 la deuxième unité. Le module de ce trimestre est intitulé La mondialisation, actualité et perspective. Pour l'activité d'aujourd'hui, euh, c'est une version, Tarib. Euh, c'est la huitième séance de la semaine du 22 février 2021. Le support est intitulé Sauver la planète. Ignacio Ramonet. L'objectif général, est être conscient du fait que le capitalisme américain soit un ennemi de l'environnement. Objectif spécifique, rendre en arabe, convenablement en contexte, l'expression de la cause sous ses différents aspects syntaxiques en français. La méthodologie et les quadripartites, on le sait déjà, et c'est devenu quelque chose d'habituel. Commençons par lire le support ⁇ Sauver la planète ⁇ Johannesburg en Afrique du Sud accueille du 26 août en, au 4 septembre le sommet mondial sur le développement durable. C'est un événement capital qui va rassembler le plus grand nombre de chefs d'État et de gouvernements jamais réunis depuis 10 ans, et quelques 60 000 participants venus de plus de 180 pays. En, tous ensemble, ils vont tenter de répondre aux questions, aux plus graves questions qui concernent l'humanité entière. Comment préserver l'environnement Comment éradiquer la pauvreté Comment sauver notre planète Car la Terre va mal, très mal. Pourtant, le diagnostic sur les principaux mots qui l'accablent a été fait il y a dix ans à Rio de Janeiro, au Brésil. Lors du premier sommet de la Terre, la sonnette d'alarme avait alors été tirée. Le climat se réchauffe, l'eau douce se fait rare, les forêts disparaissent, des dizaines d'espèces vivantes sont en voie d'extinction, la pauvreté totale ravage plus d'un milliard d'êtres humains. Les dirigeants du monde avaient alors admis que la cause principale de la, déclaration, de la dégradation continue de l'environnement mondial est un schéma de consommation et de production non viable, notamment dans les pays industrialisés, qui, qui est extrêmement préoccupant dans la mesure où il aggrave la pauvreté et les déséquilibres. Il avait adopté... Deux conventions décisives sur le ch les changements climatiques et la biodiversité, ainsi qu'un plan dit Agenda 21 pour généraliser le développement durable. Celui-ci repose sur une idée simple. Le développement est durable si les générations futures héritent d'un environnement dont la qualité est au moins égale à celle qu'ont reçue les générations précédentes. Ce développement suppose l'application de trois principes. Le principe de précaution qui favorise une approche préventive plutôt que réparatrice. Le principe de solidarité entre les générations actuelles et futures et entre toutes les populations du monde. Et le principe de, de participation de l'ensemble des acteurs sociaux au mécanisme de décision. Dix ans plus tard. Dans de nombreux domaines, les choses ne se sont pas, se sont pas améliorées. Au contraire, avec l'accélération de la mondialisation libérale, le schéma de consommation et de production non viable s'est même renforcé. Les inégalités ont atteint des niveaux jamais connus depuis le temps des pharaons. La fortune... De trois individus les plus riches du monde dépassent la richesse cumulée des habitants de 48 pays de 48 pays les plus pauvres. La sueur écologique du monde riche sur la biosphère s'est aussi accentuée. Alors que la trentaine de pays les plus développés représentent 20% de la population mondiale, ils produisent et consomment 85% des produits chimiques synthétiques, 80% de l'énergie non renouvelable, 40% de l'eau douce. Et leurs émissions de gaz à effet de serre par habitant, comparées à celles des pays du Sud, sont 10 fois plus élevées. Au cours de la décennie écoulée, le, les rejets du gaz carbonique, CO2, cause principale du réchauffement climatique, ont augmenté de 9%. Ceux des États-Unis, produits premiers pollueurs de la planète, ont cru durant la même période de 18%. Plus d'un milliard de personnes continuent de ne pas disposer d'eau potable, et près de 3 milliards, la moitié de l'humanité, consomment une eau de piètre qualité. À cause de l'ingestion de cette eau polluée, 30 000 personnes meurent quotidiennement, soit plus de dix fois, chaque jour, le nombre de victimes des odieux attentats du 11 septembre 2020, 2001. Les forêts continuent d'être dévastées. 17 millions d'hectares disparaissent chaque année, quatre fois la taille de la Suisse. Et comme les arbres ne sont plus là pour absorber les excédents de CO2, l'effet de serre et le réchauffement s'aggravent. Par ailleurs, chaque année, quelques 6000 espèces animales sont exterminées, une extinction massive menace 13% des oiseaux, 25% des mammifères, 34% des poissons, comme la Terre n'en a jamais connu depuis la disparition du dinosaure. C'est-à-dire l'immense espérance que soulève ce sommet de Johannesburg, qui pourrait être déçu si devaient l'emporter les égoïsmes nationaux, les logiques productivistes, l'esprit mercantile et la loi du profit, comme ce fut le cas en juin dernier à Ballet. Lors de la conférence préparatoire, qui n'est pas parvenue à adopter un plan d'action sur le développement durable et s'est conclue sur un échec, Ignacio Ramonet sauver la planète. Le monde diplomatique out 2002. Les plus grandes épreuves auxquelles le monde aura à faire face dans les années à venir seront la surpopulation, le manque de ressources, aux matières premières, pétrole, des pandémies de toutes sortes, de maladies connues et nouvelles des pollutions de toutes sortes, chimiques, air, eau, alimentation. Albert Einstein. Votre avis, s'il vous plaît. Euh, bien sûr, dans ce cas, donc, mes chers élèves, mes chers collègues, donc, bah, un avis, favori, un avis donc, euh, euh, sera donc, exploité pour construire ou bien pour débuter la séance, pour débuter la version, pour débuter la compréhension. Regardez déjà donc il y a ici donc des, des points importants la surpopulation, le manque de ressources, les pandémies comme par exemple le coronavirus qu'on vit actuellement, des pollutions Alors, donc c'est c'est quelque chose d'important que dit Albert Einstein. Qui est Ignacio Ramonet? Ignacio Ramonet, né le 5 mai 1943 en Espagne, est un simiologue du cinéma et journaliste espagnol. Il a grandi à Tanger, au Maroc, après avoir obtenu une maîtrise de lettres en France à l'Université Bordeaux III. Il a enseigné au Collège du Plateau à Salé, au Maroc, puis au Collège du Palais Royal de Rabat où le roi Mohammed VI était un de, ses, un de ses élèves. Passons à le deuxième, le deuxième axe, composante énonciative, qui parle dans le texte, le système énonciatif, est-il homogène? Euh, donc, d'après, donc, euh, donc, bien sûr, le locuteur, c'est ignacio Ramonet, mais le système énonciatif est homogène car seul le locuteur est, euh, est l'auteur ignacio Ramonet. mais parfois, euh, mais il y a une petite citation, il y a une, une citation qu'on doit préciser dans le texte. Donc disons que le système énonciatif n'est pas à 100% homogène. Le public cible, le lectorat de le, du journal mensuel, le monde diplomatique. La composante textuelle, le genre du texte. C'est un essai journalistique. Le type du texte. Le texte est à dominante argumentative. Composant thématique. Les idées du texte qui est l'obstacle majeur qui bloque le succès des sommets sur le développement durable. D'après le texte, c'est le capitalisme américain, à travers son schéma de consommation et de production non viable. Pourquoi le sommet, de, euh, le sommet sur le développement durable a été-t-il tenu à Johannesburg Les buts. Le sommet sur le développement durable a été tenu à Johannesburg car la Terre va mal, très mal. Quels sont les principes du développement durable Ils sont en nombre de trois. Vous pouvez les localiser dans le texte. Les principes du développement durable sont le principe de précaution, le principe de solidarité et le principe de participation. Quels sont les aspects de la crise du développement durable Ils sont nombreux. Les aspects de la crise du développement durable sont le renforcement des inégalités sociales, la pollution et la dégradation de la biosphère. Ou bien disant que donc, euh, ska, donc, euh, donc, donc ce qui a été euh, euh, prévu par, par Einstein, c'est exactement les aspects de la crise du développement durable. Commençons par la préparation à la traduction, tournure linguistique. Jamais réunis depuis dix ans. C'est le contexte qui va rassembler le plus grand nombre de chefs d'État et de gouvernement jamais réunis depuis dix ans, et quelque et cetera donc لم يتوصل الى جمعهم منذ عشر سنوات la sonnette d'alarme avait été tirée la sonnette d'alarme avait été tirée le climat se réchauffe l'eau douce se fait rare et تم Dak, Dakko na kousel khatar Hinevek yatar jamali alors Hinevek Dans ce cas il exprime le temps Lexique terminologie Accueil Stadafa Donc en Afrique, etc. Donc Johannesburg en Afrique du Sud Accueil du 26, au 4 septembre, euh, du 26 au 4 septembre le sommet stadeif le film le film stadefa le schéma de consommation et de production non viable et donc il est cité dans le texte à deux occurrences on trouve dans le texte deux occurrences pour, pour ce syntagme terminologique continue euh, donc continue de l'environnement mondial et un schéma et مخطط استهلاك وانتاج غير مستدام مخطط استهلاك وانتاج غير مستدام إيغويسم ناسيونو دار لا لوت لو كونتكست فولو فوي انانيات قوميه لوا دو بروفي. قانون الربح. ليس بريميير كونتيل. العقلية التجارية. لوجيك برودكتيفيست. منطق الإنتاجية. Phénomène morphosyntaxique. Euh, il y a des expressions qui sont prises en rouge dans le texte, bien sûr, dans le document que, que vous allez recevoir euh, en classe. Ce sont des expressions qui expriment la cause. Mais elles sont variées. Donc les expressions en rouge dans le support expriment le rapport logique de cause. Donc comment on va les rendre en arabe On les rend en arabe de manière convenable au système syntaxique arabe, voire phase de traduction. Commence par le, le, le travail individuel, les consignes, l'infinitif dans le titre du texte a une valeur injonctive. Le rendre en impératif en arabe. Débutez la deuxième phrase par le mot al -kul. Voilà donc une proposition. Sauver la planète. An تستضيف جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا أفريقيا من 26 غشت إلى أربعة شتنبر القمة الدولية حول التنمية المستدامة وهو حدث بالغ الأهمية سيجمع أكبر عدد من رؤساء الدول والحكومات لم يتوصل إلى جمعهم منذ عشر سنوات إضافة إلى ستين ألف مشارك ومشاركة جاءوا من أكثر من 180 دولة الكل سيحاول الإجابة عن الأسئلة الخطيرة التي تخص الإنسانية جمعاء كيف نحافظ على البيئة كيف نقضي على الفقر كيف ننقذ كوكب الأرض لاحظوا تسانسامل أن لا تغذيب الكل سا سي ترجمة شخصية بيرسونيل نمررها هكذا لكن الجمل الاولى تستحق ان نترجمها إذن كار كار إكسبريم بريم لا كوز دونك دون سو كا سيتانيا لوجيك مي كي فونيو لا فراز ذلك ان كوكبنا ليس على احسن ما يرام بل هو في وضع سيء للغايه وذلك رغم أن تشخيص الشرور الرئيسية التي تتربس به قد تم منذ عشر سنوات في ريو دي جانيرو بالبرازيل غداة القمة الأولى حول كوكب الأرض وقد تم حين ذاك دق ناقوس الخطر لأن المناخ في احترار والمياه العذبة في نذرة مستمرة والغابات تختفي وعشرة الأنواع الحية مهددة بالانقراض والفقر في مجمله يعصف باكثر من مليار نسمه. وكان رؤساء الدول في العالم قد اقتنعوا ان السبب الرئيسي في التدهور المستمر للبيئه في العالم هو مخطط استهلاك وانتاج غير مستدام، وعلى الخصوص في الدول المصنعه، هذا التدهور الذي اضحى مدعاة للقلق والانشغال المتزايدين. نظرا لكونه يزيد من درجه الفقر ومن الاختلالات وكانوا قد صادقوا على اتفاقيتين حاسمتين في موضوع التغيرات المناخيه والتنوع البيولوجي وكذا على مخطط يدعى الاجنده 21 من اجل تعميم التنميه المستدامه. وينبني مثل هذا المخطط على فكره بسيطه مفادها ان التنميه تكون مستدامه اذا توارثت اجيال المستقبل بيئه لا تقل جودتها عن التي توارثتها الاجيال السابقه وهذه التنميه يفترض فيها تطبيق ثلاثه مبادئ مبدا الاحتياط الذي يشجع مقاربه وقائيه عوض مقاربه اصلاحيه ومبدا التضامن بين الاجيال الحاليه والمستقبليه وبين كل سكان العالم ومبدا مشاركه جميع الفاعلين الاجتماعيين في ميكانيزمات صنع القرار نعم نمرر لكم يعني الترجمه ويمكنكم استعمال حتى لا نطيل يمكنكم استعمال يعني مساله يمكنكم ايقاف الفيديو وبالتالي مقارنه الترجمه اجناسيو <applause> راموني بالنسبه للمرجع اجناسيو راموني انقذوا كوكب الارض لو مون ديبلوماتيك غشت 2002 لحظه هنا ملاحظه جيده بالنسبه لو مون ديبلوماتيك هكذا تسمى اذا ما دام ان اسمها هو هذا ف الصوتي واجب لون فونيتيك الي ابسوليمون اوبليغاتوار سي لا بين دو العالم الدبلوماسي هذا ليس ليس صحيحا لان اسمها لو مون ديبلوماتيك دي اذا لو مون ديبلوماتيك مثلا لاحظوا مثلا لو كانت مثلا جريده مغربيه مثلا الاتحاد الاشتراكي سوف لن نقول جريده الاتحاد الاشتراكي نترجمها ب لو جورنال لونيون سوسياليست لا لو جورنال الاتحاد الاشتراكي هكذا باللغه الفرنسيه اذا ردوا البال هذه المساله هذه لان خاصها تعمم باش ما يوقعش الاخطاء وبالتالي اضاعه النقط هباء منثور لان كتعرفوا بان لا ريفيرونس عندها نقطه على عشرين هذا طبعا على حساب يعني الشيء المعمول به واللي واللي سمعناه من السيد مفتش ماده الثقافه العربيه والترجمه اذا لا ريفيرونس آه يعني لا ريفيرونس اغاب نقطة لا ريفيرونس فرونسيز في, 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 في التعجيم نقطة العنوان نقطة يعني ربعة النقاط زائد الشكل خمسة النقاط خمسة على عشرين هذه راه ما يمكنش الانسان يفرط فيها وشكرا لكم إذن ميرسي بوغ في اتونسيون إلى لا بروشين فيديو تبقاو على خير حفظكم الله وسدد خطاكم ونرجو من الله ان تبقوا دائما في احسن الاحوال وفي صحه جيده والى اللقاء قريبا ان شاء الله